On nous a offert un petit chocolat chaud. Il fait trop beau. Je suis choquée. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Du coup, vu que je suis assez influençable, j'ai dit oui. Au début, j'avais dit non, mais au final, bref. Mais franchement, je regrette pas du tout. C'était trop cool, même si j'étais fatiguée et tout. Genre, ils sont super beaux, finalement. Salut. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. I love is like a... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente. Je vous retrouve pour encore un petit vlog, mais cette fois-ci de mon week-end. Je crois que je vous ai encore jamais filmé un week-end ici. J'ai trop hâte. On a plein de petits trucs de prévu. Donc là, il est à peu près midi. Je me maquille, je m'habille et on y va. Ça y est, je suis habillée, je suis toute prête. J'ai mis un truc de ski parce qu'il fait super froid. Je vais mettre un pull, mon manteau, un bonnet. J'ai mis mon jean et je vais mettre mes bottes de neige parce que bah, y a beaucoup de neige. Et on y va, c'est parti. J'ai trop faim, on va manger des bonnes pizzas. J'ai trop hâte. Bon, ça y est, je suis partie. Je vois absolument rien. Il y a hyper beaucoup de soleil. Il fait trop beau. Je suis choquée. Ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Donc là, du coup, on va manger. Je vais chercher le bus. Et après, on va du coup dans un parc que j'avais fait cet été. Mais je sais pas si j'avais filmé, je crois pas. Et bref, du coup, là, on va aller au parc. Ça va être trop cool. Trottoir, on marche sur la route. On galère à marcher, c'est vraiment horrible. Même sur le plat, on galère. En fait, la neige, elle est fraîche d'hier. Du coup, nos pieds, ils reculent quand on avance. C'est affreux. Mais il fait beau et on a beau temps. Heureusement, c'est trop beau. Regardez l'arbre, il est tout nu. Genre là, il est nu et là non. Et c'est pas un bouleau genre. Je crois que ça s'appelle comme ça. Mes yeux qui pleurent tout seuls. On nous a offert un petit chocolat chaud. C'est les scouts. Trop mimes. Ils avaient leur petite cabane dans la neige. Trop mignon. Ok les gars, je suis vraiment désolée, mais je vous ai carrément laissé tomber tout le début de soirée. Je suis rentrée assez tard du coup de notre petite balade, je suis passée faire des courses et après on m'a proposé de sortir. Du coup vu que je suis assez influençable, j'ai dit oui. Au début j'avais dit non, mais au final bref, je vais sortir. Donc du coup j'ai dû rentrer, me doucher, me refaire une petite beauté parce que voilà, et en plus j'ai dû me laver les cheveux parce que c'est mon jour où je me lave les cheveux. Et ceux qui savent, je mets un peu ma vie à me laver les cheveux. Donc du coup voilà, j'ai carrément mis une plombe à me laver les cheveux. Donc je suis carrément à la bourre, un peu comme d'habitude. Mais bref, en tout cas vraiment cet après-midi c'était trop cool, on a fait une balade trop bien, on galérait à marcher dans la neige, c'était super chiant et super éprouvant, mais c'était trop beau vraiment, il faisait grand soleil, il faisait un peu froid mais trop beau temps, donc on était trop contentes. Mais bref, du coup là je vais vous laisser, normalement là je pars en Bifort chez des amis et après normalement on sort en boîte. Je sais pas encore vraiment si je vais sortir en boîte, mais comme je vous ai dit je suis très influençable, donc je risque de sortir, mais je vous tiens au courant pendant la soirée. Je prends pas ma caméra, mais du coup je vous tiens au courant sur mon téléphone. Donc voilà, c'est parti, j'y vais parce que je suis vraiment là pour. J'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a la machine à laver qui fait un boucan d'enfer. Mais bon, je pense que vous m'entendez quand même. Mais si vous entendez la machine à laver, je suis désolée. Mais bref, du coup, je vous retrouve. On est le lendemain. Finalement, vous avez vu, hier, je suis sortie. Mais franchement, je regrette pas du tout. C'était trop cool. Même si j'étais fatiguée et tout et que j'avais envie de rentrer, j'ai bien fait de sortir. Ça m'a vraiment fait du bien et c'était vraiment une super bonne soirée. J'ai trop kiffé, donc vraiment, je suis trop contente. Et du coup, ce matin, je me suis pas réveillée super tôt, comme vous pouvez vous l'imaginer. Quand je me suis réveillée, j'ai fait un peu de ménage dans mon appart parce qu'il fallait que je passe l'aspirateur, etc. Donc bref, j'ai fait ça.
j'ai un peu bossé et là du coup je pars à la salle, ça va me faire du bien, j'ai besoin de me défouler. En général le lendemain de soirée j'ai un peu de mal à me bouger les fesses pour aller à la salle, mais là je sais pas, je suis vraiment motivée donc j'y vais, on fait séance jambes et je vous retrouve tout à l'heure. Bon ça y est je suis partie, en vrai il fait pas froid aujourd'hui, il fait genre moins 4, je sais pas combien il est le ressenti, mais en tout cas la température réelle est de moins 4, donc en vrai ça va par rapport au moins 45 qu'on a eu la semaine dernière. Là on est bien, on a même chaud. Ok les gars, les marches ont été déneigées. Ceux qui ont vu mes stories sur Insta, vous savez qu'il y a 2 jours, les marches, on ne les voyait plus. Je faisais du toboggan sur les marches tellement c'était impressionnant et qu'on ne voyait plus rien. Là elles ont été déneigées donc je suis très très contente. Parce que en vrai il y a une bonne épaisseur de neige quand même hein. Genre on n'a pas l'impression mais il y a quand même une bonne couche. Ok les gars, je suis rentrée de la salle, j'ai trop mal aux jambes vraiment, on a fait une séance pas très longue parce que bon on est quand même en lendemain de soirée, mais pour une séance en lendemain de soirée on a quand même bien bien bossé et là j'ai les jambes en compote, genre vraiment je sens plus mes jambes, mais bon en plus les escaliers pour revenir chez moi horrible, heureusement ils étaient déneigés mais horrible, mais bref du coup trop bonne séance, je suis trop contente, du coup là je vais aller me doucher et je vous reprends juste après pour mon petit repas, j'ai trop hâte, je vais faire des petits avocado toast, trop bon. Ok bon du coup je viens de sortir de la douche, j'ai préparé ce que je vais faire à manger, du coup je vous ai déjà dit tout à l'heure mais ça va être des avocats totos, du coup j'ai un avocat, je vais mettre un œuf sur un de mes deux avocats de toast et j'ai pris c'est du Philadelphia light, donc voilà, et bien sûr du pain de mie, donc c'est parti, je vais me faire cuire ça, j'ai trop faim, ça va être trop bon. On est sur un problème de taille, c'est que j'ai quand même mis un peu d'huile, sauf que c'est collé de ouf. Donc là j'ai mes avocats de toast, il manque plus que l'œuf ici. Sauf que je sens que ça va, enfin genre bref, il va être éclaté parce que j'arrive pas à le décoller, donc ça va faire de la merde, c'est pas grave. En vrai finalement je suis plutôt fière de moi, genre ils sont super beaux finalement, ça va être trop bon. Bref du coup je mange mes petits avocats de toast et je vous retrouve juste après. Tout le monde, alors aujourd'hui je vous ai pas du tout pris, mais j'ai fait que travailler toute la journée, j'ai fait du montage, j'ai bossé mes cours, enfin bref j'ai vraiment fait des trucs pas du tout intéressants et j'ai absolument pas bougé de mon canapé de la journée, donc c'était vraiment pas utile que je vous prenne, mais du coup là j'attends, il est 21h, j'attends des amis qui viennent, on va voir un film et après j'irai dormir, donc rien de ouf et je pense que du coup je vais arrêter le vlog ici puisque on est lundi soir et mon week-end s'arrête le lundi soir. Oui j'ai un week-end assez long mais je bosse quand même pendant mon week-end. J'espère que ce petit vlog de mon week-end vous aura plu. Je vous ai toujours montré que mes cours et ma semaine, mais jamais mon week-end. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous retrouve soit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ou alors tout de suite sur Instagram. Bisous !